Seigneur, ta tête dure là. Seigneur, l'homme, Tarzan. Tarzan, à cause de toi aujourd'hui, là, l'homme peut être en problème. Tu as mis l'homme peut être en pointe. Seigneur, quand Seigneur est dans ta vie, c'est pas pour rien. Hein? Tu es rentré dans la vie de l'homme peut être là. Tu as traumatisé Gola jusqu'aujourd'hui. Elle se retrouve pas. On peut faire ça? Jusqu'aujourd'hui, la personne ne veut d'elle. Va la prendre. Elle dit, elle cherche les milliardaires. Toi, t'es pas milliardaire. Attendez, t'es pour mon fils d'abord. L'enfant là. Hé! Hey. Qu'est-ce ici, mais. Aïe, c'est un peu. Tu fais quoi encore? Mais j'arrête tranquille. Hein. Tu es assis loin de moi. Faut pas commencer à venir le tout. Hein? À cause de toi, là, le bouteille d'un problème qu'on a dû. Yaka refuse de pardonner le petit bisou. Jusqu'à même, il n'ose même pas s'aventurer. Jusqu'à aujourd'hui, les gars se sont séparés. Toi, tu es comment, l'homme des bois? Tu es comment? Hein? Petit bisou, on donne. Et puis après, on dit non, c'est petit bisou, Jean. Toi, tu es venu faire ça jusqu'à lui, le bouteille d'un pain aujourd'hui. La gueule, elle dort pas. Toutes les nuits, on regarde seulement dans le groupe, on ne peut pas dormir. On dit le bureau est fermé. Mais toujours, ils insultent matin, midi, soir. Hein? Tu as même mis ça, le bureau est fermé. Le bureau est fermé. Plus, on ne doit plus exercer dans le bureau. Téléphone à coin, coin. Quand tu prends, tu regardes, Lolo Beauté. Akbachai. Après, yaka. Akbachai, il dit, hé. Allez-y d'abord privé là-bas. Allez-y d'abord privé. Les privés aussi, ils ne se parlent pas. Hein? Mettez les cœurs. Donc, pardon, va régler tes histoires là. Et puis, va dire à Yaka que, hein, l'homme des bois, que c'est pas vrai. Mais ton affaire aussi est compliquée, hein. Lourd comportement même. Mmh. Maman la cafeteuse. C'est n'est pas venu rire. Maman la cafeteuse, il dit, viens expliquer aux gens pourquoi. Non, on peut pas. Tiens. Viens expliquer aux gens. Tu es en deuil, Yako. Viens expliquer aux gens. Pourquoi? Ta maman. L'unique. Mais c'est là, venu gâter mon direct au Seigneur. Tu dis quoi? Au lieu de parler, dis la vérité à tes abonnés qui ne cessent de m'appeler. Mais dis quelle vérité? Il a venu changer mon humeur. De dis quelle vérité? Baker, de dis quelle vérité à mes abonnés? Il a dit c'est forcé. C'est forcé. Oh, tu es fatigué comme ça même. Ok. Tiens. Voilà. C'est forcé. Baker. Il va venir gâter mon direct. Eh, Seigneur. Mettez les cœurs. Protégez le direct, s'il vous plaît. Baker. Je t'ai dit, on n'a qu'à régler en inbox. Ça fait combien de jours ici après toi? Réglons en inbox. Tu refuses. Tu quittes chez toi là-bas quand tu veux mettre commentaire sur moi mon direct. Baker, tu es dans quoi? Tu es dans quoi moi-même? Dédie quelle vérité à mes abonnés. Dédie dit quoi? Il dit, ma vie privée, ça ne regarde pas. Chaque chose a sa place dans ma vie. Je n'expose pas ma vie. Devenez dire quoi mes abonnés? Hein? André n'est pas bien fêté. Je vais parler d'une personne qui ne te connaît pas. Ma chère, elle est bien de parler de quelqu'un qui me connaît. Moi, je n'ai pas besoin de parler de quelqu'un qui me connaît, en fait. Et Bec, elle va me mettre en pain ici, oh. Yaka. Lolo Beauté. Aya Robert. Parlez à Bec, oh. Pardonnez. Je sais qu'il vous emmène à chaque fois. Il n'est qu'à arrêter dans ce qu'il est là. Pardonnez.